Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com à la partie 2 du podcast au niveau du E3. Donc, première partie, on parlait bien sûr des consoles. Deuxième partie, on parle des publishers, donc toutes les compagnies qui font qui publient dans le fond les jeux vidéo. Donc, mon nom est Stéphane Goulet. Bien sûr, comme d'habitude, pour le podcast, je suis accompagné de Mathieu Landry. Salut Matt. Salut Steph. Et de Jean-François Dion. Salut Jeff. Salut Stéphane. Salut. Donc, on va y aller dans le fond. On va vous parler de Bethesda principalement, de EA, de Square Enix et pour finir de Ubisoft. Après quoi, on fait un petit melting pot, on vous parle de nos impressions là, tout au long, bien sûr, de la présentation. Donc, Mathieu va commencer avec Bethesda. Oui, Bethesda, le premier jeu qu'ils ont montré pendant la présentation, qui était le dimanche soir, c'était Doom. Je sais pas si vous avez regardé un peu les gameplays. Oui, effectivement, c'était complètement malade. Et qui d'ailleurs, j'ai aimé le côté gore, vite, démentiel, tu sais, vraiment un rythme d'action. Un hack and slash avec les crapauds. Ah, avec les crapauds du shooter. Ça saignait. J'ai aimé aussi parce que souvent, ce qu'on voit, c'est un set avec un shooter qui a un style un peu vite, agressif. C'est tout le temps réimiter ce que Titanfall avait fait. Là, on parle d'absolument rien de là-dedans. Oui, c'est vite. Oui, c'est gore. Oui, ça frappe. Oui, c'est sadique. Mais on est beaucoup plus dans l'ordre de Mortal Kombat que des finishers. Tu sais, genre, tu gonnes le gars jusqu'à temps qu'il saisisse un point critique. Quand il est un point critique, il flashouille un peu rosé. Puis là, dépendant de où c'est que tu regardes sur le gars, t'as comme un membre, soit le bras qui flashait, au lieu d'être rose, il est rendu rouge, ou la tête qui est rendue rouge, ou la jambe qui est rendue rouge. Puis quand tu fais comme, au lieu de donner un coup de crosse à l'Halo en pesant, j'imagine, sur ton stick, tu y pognes le bras, tu l'arraches, puis tu fesses dessus, ça va, ou tu y arraches le cou carrément, ou la jambe. Il y a aussi un bout mémorable là, où il y a vraiment un genre de complètement un tronçonnage là, avec une super scie mécanique là, qui est vraiment gore à souhait. Parle-moi-en pas des scies mécaniques. Moi, des scies mécaniques, là, dans ma jeunesse de gaming, dans ma jeunesse de gaming, là, ça a toujours été important. Okay. Tu sais, je me rappelle, parenthèse, rappelez-vous Resident Evil 4, quand le gars sort la première fois avec son sac de poubelle, ça à tête, c'est au GameCube où j'avais fait ça, avec la chainsaw pour te courir dans le village. Oui. Comment c'était mémorable comme moment. Je me rappelle à 20 ans d'être assis dans le sofa avec mon chum de gars et de voir le débile te courir après. C'était hallucinant. Puis ça me rappelle un peu ça dans le dôme, finalement. Et après ça, on a eu le droit au Lenser dans Gears of War avec la chainsaw qui était encore mémorable. Fait que comment remettre la chainsaw du vieux dôme de Gears? Dans le film de Doom aussi, on avait une pause dans le film où c'était en first person. Puis le gars il tronçonnait. Ouais, mais le gars tronçonnait un handicapé quand même. Ouais, c'était malade. Le gars était comme greffé après son fauteuil roulant, puis il tronçonnait. Parce que c'est transformé en bébé. Ouais, mais. C'est toujours bon de la tronçonneuse. Ouais, mais le film de Doom, je pense pas que tu peux la mettre de même. C'était pas un moment mémorable. Tu peux me parler du vieux Doom avec la chainsaw. Tu peux me parler de Resident Evil avec la chainsaw. Gears of War avec la chainsaw. Puis ce qu'on vient de voir avec la chainsaw comme de quoi de mémorable. Le vieux film de Doom, Jeff. Moi, j'ai trouvé ça très, très mémorable quand t'es juste six gars dans le cinéma en train de se claquer ses cuisses pendant toute cette belle scène. Non, c'est relié. C'est pour ça que vous êtes juste six à l'avoir trouvé mémorable. Moi, je l'ai pas vu live, mais ça me dit de quoi, ça m'a été raconté, puis j'avoue que ça doit être assez mémorable, effectivement. Donc, le jeu de Doom... Il a changé les dos, il en a dit le 70, Jeff, en fait, de mémorable. Doom, mémorable au niveau gore, est-ce que tu vas l'acheter? Mais il faut voir que je vois un peu ce que l'histoire et le restant du jeu nous propose. Il y a l'histoire dans Doom. À part passer du point A au point B, puis tronçonner sur ce qu'il y a entre toi, puis la départ, puis la durée. J'avais adoré le remake qu'il avait fait, là, parce que c'est toujours des remakes de Doom. Tu sais, Doom, en réalité, ils sortent un jeu à toi 6 ou 7 ans, puis c'était toujours un remake du premier, en réalité. Il y avait le vieux premier là, qui était au vieux PC ou au Genesis à l'époque. Il y en avait ressorti un une couple d'années après qui était au Xbox original pour PC. De mémoire, moi, j'avais joué au Xbox original qui était quand même. Le mode story était intéressant. Pas une grande histoire, mais l'arrobage qui est venu à travers ça, t'es très fort. Moi, le seul que j'avais joué, je pense que c'était le 3. Puis tu pouvais pas avoir ta lampe de poche en même temps que tes gommes dans tes mains.
J'ai tellement eu la chienne, là. J'ai juste joué 15 minutes, j'ai désinstallé le jeu. Mais je me souviens pas si c'était le 3, en tout cas, lui qui avait ressorti, je sais pas si c'était un remake du premier ou peu importe, lui qui était sorti au vieux Xbox original, c'était justement plus épeurant, mais celui-là, ça a l'air, il y a peut-être des bouts de gore, là, épeurant d'horreur, mais à date, ça a plus l'air d'être un festival de d'arrachage. C'est plus les crapauds que comme on a dans Dead Space, par exemple. Ouais. Moins horreur, plus les crapauds. Ben, quoi qu'au moins, ça va l'air d'être un tech demo. Ils ont peut-être juste présenté les bouts des crapauds pour justement épater la galerie. Ouais, c'est possiblement le cas. C'est pour ça que j'ai hâte de voir le vrai jeu avant de me prononcer si je le jette ou je le jette pas. Mais le démo faisait beaucoup next-gen, faisait très que. Tu sais, des affaires qu'on voit pas souvent. Là. Okay, ça sort cette année, non? L'année prochaine? L'année prochaine, il me semble que j'ai vu. Pas 2016. Ouais, ouais. C'est le premier jeu à rouler dans l'engin ID Tech 6, version 6. Ouais. Okay. Donc ça va être aussi un bon benchmark pour la compagnie pour vendre l'engin. Cool. Dans les jeux. Autre jeu, ça par exemple, on n'a pas eu de tech démo, c'est vraiment juste un trailer, mais qui était quand même très bien. Dishonored 2. Oui, Dishonored 2, donc. Okay. Dans lequel on peut jouer Corvo, qui était l'ancien protagoniste du premier. OK. Pour ceux qui l'ont joué. Et Emily, qui était la petite fille qu'on sauvait dans le premier, qui est comme le 2 plus vieille à l'époque, que tu peux jouer aussi. Et j'ai pas vu passer sur une certaine. Je sais pas laquelle des plateformes, mais je pense que si t'ajoutes Dishonored 2, tu peux avoir le remake ou il va avoir le remake d'affaire de Dishonored 1. Il y a une nouvelle là-dessus, là, ça reste à confirmer, là, mais il y a une nouvelle là-dessus sur un remake de Dishonored 1 qui peut venir en promotion avec ça. Ça a l'air vraiment très bien. Autre chose qui ont sorti, dans le fond, Elder Scrolls Legion, qui est un jeu de cartes à l'effigie d'Elder Scrolls. OK, donc dans le fond, c'est vrai que les jeux de cartes... C'est comme un Hearthstone de Blizzard, mais dans le monde... Ouais, ils sont rendus tout populaires, ces jeux de cartes. Des free-to-play, puis tu payes pour avoir des expansion packs de plus. Un peu exactement comme on faisait avec Magic, mais avec du virtuel. C'est ça, donc dans le fond, Hearthstone, mais sur le monde d'Elder Scrolls, finalement. J'ai pas vu les gameplays de ça, j'ai juste vu passer la nouvelle, là, okay. Fait que je peux pas vous dire qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Autre chose, Stéphane, retiens-toi. Je me retiens, vas-y. Fallout 4. Ah. Et qui d'ailleurs, que j'ai vu dans les démos de Bethesda, quand tu choisis ton personnage, là, tu choisis pas, ce que j'ai vu là, du démo, tu choisis pas nécessairement ton personnage va avoir l'air de quoi. Tu choisis ce que le père et la mère de ton personnage vont avoir l'air. Puis dans le fond, l'enfant que ça donne, c'est ce que tu vas avoir l'air plus tard. C'était ce qu'on avait pour aussi créer le personnage dans GTA Online, je pense, de Rockstar. Oui, effectivement. C'est ce que j'ai pas joué. Dans GTA, c'était comme ça. C'était pas ça aussi dans Red Dead? Non, Red Dead, c'est vraiment dans... Mais on pouvait avoir John Marston dans GTA Online. Effectivement, oui, tu pouvais aussi. Là. Fait que présentement, ce que tu vois, ce que j'ai vu dans le tech démo qui présentait, c'était pas un tech démo, c'était vraiment le jeu, qui présentait, tu crées le père, la mère, puis ça fait comme un peu le début d'histoire avant qu'il se retrouve dans le vault, avant de sortir du vault. Et t'es l'enfant de ce couple-là qui sort du vol. C'est quand même une grosse nouvelle, parce qu'au bout de la ligne, dans le fond, ce qui arrive, c'est que on va voir l'avant-guerre, l'avant-apocalypse. C'est ça, en fait, l'histoire va recouvrir proche 200 ans de l'histoire, donc le avant, le pendant, puis le après. C'est ça. Donc, dans le fond, ça, c'est une grosse nouvelle, là, vraiment, au niveau de l'histoire de Fallout, c'est qu'on va aller chercher vraiment l'avant, là, dans le fond, Fallout. Donc, on va être en mesure de jouer un peu, de voir comment on est arrivé dans le vault, puis tout ça. Donc, c'est super intéressant. Ouais, tout va être customisable aussi, là, dans autant les armures, les armes. Autre chose de bien qu'ils ont présenté aussi là-dedans, que j'ai trouvé le fun dans le démo qu'ils ont présenté, c'est le Power Armor. Ça sera pas juste une armure que tu équipes, que tu peux mettre le casque, que tu peux mettre l'armure. C'est que ça va être comme un peu le Titan Titanfall ou Bedon, je m'en souviens plus comment c'est le Silverback dans Gears of War. C'est un robot, tu sais, c'est comme l'armure et là, tu rentres dedans, c'est comme un robot ou un power suit. Comme le saut d'Iron Man, en fait. Ouais, en plein ça. Okay, c'est ça, effectivement. Va juste manquer Jarvis. Et ce que j'ai trouvé, c'est la facture visuelle qui est bien, parce qu'en réalité, tu sais, ils n'ont pas repris, tu fais juste rentrer dans l'armure, puis tu vois pareil, tu vois comme si justement t'avais une vitre dedans, tu bouges plus lentement, tu peux prendre des grosses rouleuses que tu pourrais pas lever à main nue. Fait que je trouve, tu sais, le côté changer de gameplay quand tu mets le power suit, c'est quand même bien. J'ai trouvé
trouvé que c'était une très bonne idée, une très bonne initiative. Les graphiques du jeu, même si je trouvais qu'ils montraient vite les previews qu'ils avaient montré là, avant de faire l'annonce dimanche soir et d'en montrer un peu plus, là, je trouvais que les graphiques des personnages étaient un peu... C'est ordinaire. Ouais, le chien est ordinaire, les graphiques étaient. Même les personnages principaux restent ordinaires, mais les environnements, finalement, quand tu vois le monde au grand complet, par contre, sont totalement géniaux. Sont géniaux. Moi aussi, ça m'a. Tu sais, dans le fond, contrairement à ce que j'ai dit la semaine passée sur Fallout 4, où j'étais un peu déçu de ce qu'on avait vu, là, je change mon fusil d'épaule complètement. Là, je veux dire, oui, au niveau des personnages, bon, OK, ça demeure là, quand même bien, mais. C'est rudimentaire un peu. Bon, c'est ça, un peu mieux que ce que je pensais quand même, mais très bien de ce qu'on a pu voir. Par contre, là, les environnements pour un monde open comme ça, là, c'est vraiment, vraiment bien fait. Là, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment bon. Les textures et tout, là, c'était malade. Là. Et autre petit point qui était le fun un peu pour un gros gamer fanatique comme toi, c'est qu'ils vont vendre un petit bracelet pour mettre le Pip-Boy à ton poignet dans lequel tu vas pouvoir justement émuler avec des applications sur tes téléphones intelligents le Pip-Boy. Dans le fond, ce qu'ils vont vendre, c'est une édition spéciale du jeu. Ouais. Avec lequel tu vas avoir un Pip-Boy dans un bracelet dans lequel tu installes ton téléphone. C'est ça. Puis sur ton téléphone, tu installes la Companion App. Qui va avoir une interaction dans le jeu. Là, exact. Donc tu vas pouvoir voir en temps réel, par exemple, ton statut, voir à quel point tu as été irradié ou autre. Mais tu sais, en réalité, c'est que tu avais un piton que tu pesais. C'était back à l'époque. Tu pesais sur back, puis il mettait son bras devant, puis tu avais une interface justement de pause ou un menu de jeu. Bien là, si j'ai pu comprendre, tu n'auras pas besoin de faire ça. Dans ton fameux bracelet, si tu mets ton téléphone intelligent avec l'application, bien, tu vas l'avoir à même ton bras. Ce que j'ai compris, c'est qu'ultimement, tu pouvais le faire sans le bracelet, juste avec l'application. C'est un souci. Si tu tiens ta manette, t'es en plein gameplay, de prendre le téléphone, tu commences à taper dessus, ça commence à être sportif de la manette. Tandis que là, t'as ta manette dans la main, t'es là, puis tu. Ça prendrait une troisième main finalement, c'est ce qu'on comprend. Là. Donc avec le bracelet, ça peut être vraiment utile. Ben, moi, tu veux qu'on te greffe une troisième main pour être capable de jouer avec pas de bracelet dans la manette. Tu veux économiser cette bracelet. Je vais y penser. Non, c'est sûr que c'est une édition spéciale que je vais reluquer, par contre, dépendamment du prix, puis il n'a pas été annoncé le prix là, au niveau du E3, ni la date de sortie du. Bon, c'est sûr que la date de sortie du jeu a été annoncée, là, qui se trouve à être le 10 novembre. 10 novembre, oui, 10 novembre. Par contre, bon, j'imagine que l'édition spéciale va sortir la même journée. Le chien reste sorti en même temps aussi, puis elle risque de partir très vite en précommande aussi. Oui, par contre, pour une fois malheureusement, il n'y a pas de prix pour l'instant, donc je ne suis pas en mesure de dire si je vais aller la chercher ou pas. Là. On se fie aux autres précommandes pour les Ultimate Edition des compétiteurs, c'était historiquement 120, avec l'augmentation de prix, la force du dollar, peut-être 130. Alors, selon moi, ça va être beaucoup plus cher que ça. Là. Ça va virer autour de 200. Ben, 130, ben, en fait, c'est juste un moulage d'un bracelet en OBS dans lequel tu peux insérer ton téléphone. Mais ça dépend, est-ce qu'ils mettent ça dans les Ultimate Edition? Est-ce qu'ils vont te vendre les DLC souvent dans les Ultimate Edition? Tu comprends? Et le jeu initial et la petite patente qu'ils te vendent de collection et les DLC, c'est sûr qu'ils commencent à englober tout ça. Peut-être qu'on va rentrer dans le même modèle que Call of Duty, une édition à 70, 90 puis 150. C'est un peu très possible, très possible que ça arrive. En tout cas, si c'est juste autour de 130$, c'est sûr que je vais aller chercher en courant. Si c'est un peu plus cher que ça, 150$, peut-être mon prix que j'ai en tête. Là, si c'est plus cher que ça, je vais commencer à y penser. Là. Rappelons que un troisième bras, hein, pas plus, c'est bien mieux. Que sur Xbox One, on va avoir aussi Fallout 3 qui va venir avec. Oui, on en a déjà parlé. Là. Effectivement, Fallout 3 qui va venir avec, donc que Ubisoft a annoncé, qui est quand même super intéressant. Autre chose que j'ai trouvé bien de la présentation pour finir avec Bethesda, c'est que c'est un des premiers jeux de rôle de Bethesda, les vrais jeux de Bethesda pour les jeux qu'ils publient. Quand on parle justement quand on parle de ces jeux-là, on parle des Fallout ou des Elder Scrolls, que le personnage principal va avoir du voice acting. J'ai trouvé que dans les démos, ce que ça donnait un petit coup. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça dans le produit fini. Mais dans le démo, ce qu'ils montraient, ça donnait une histoire beaucoup plus soutenue. Déjà, les bouts qu'ils ont montré, peut-être les 10-15 minutes qu'on a pu voir, ça donnait une histoire beaucoup plus facile à suivre, beaucoup plus suivie là, du fait que ton personnage pouvait répondre. C'est ça, puis contrairement, dans le fond, je suis un peu là-dessus, contrairement à ce qu'on se disait la semaine passée, on va pouvoir jouer une fille. Il y avait eu des nouvelles là, comme de quoi peut-être qu'on pourra pas jouer, on va être pogné avec
juste un personnage là, masculin. Non, dans le fond, ça a été confirmé là, qu'on va pouvoir jouer... En fait, un peu comme Mass Effect, même si les textes étaient gros, deux voice acting totalement différents. Ça va être possible de le faire. Donc, puis il y a aussi possibilité aussi de vraiment interagir avec les NPC pour leur demander, donc l'exemple, le chien qui est avec toi, là, qui est un personnage le non-joueur, là, qui est là, tu vas pouvoir vraiment l'envoyer faire des quests, là, mais de façon plus efficace, là, puis le faire interagir avec du stock, puis à peu près n'importe quoi qui est dans l'environnement. Fait que ça aussi, ça va être super intéressant. Donc, dans le fond, tu lui dis, bon, ben, va me chercher tel item, il va partir, il va le faire. Donc, ça va être plus comme le système de mission comme on avait dans les Assassin's Creed, où on déléguait des alliés. Je pense pas que ce soit comme ça, non. Ça va vraiment être vraiment... Effectivement, donc, t'es dans un environnement, exemple, une pièce, tu pointes un objet d'une façon X, là, puis là, ton chien part, puis va te le chercher, là. C'est vraiment plus live comme ça, là, moins mission, là. Mais comme d'ailleurs, ce que j'ai vu dans le gameplay qu'il présentait, qui était quand même bien, ça donnait quoi d'assez, mettons, assez breathtaking comme moment de jeu, là. Comment il s'appelle le système là, de visée automatique dans... C'est VAST, le VAST. Le VAST, bon, quelqu'un utilisait le VATS. VATS, c'est ça, VAST ou VATS, là, je m'excuse. Tu sais, quelqu'un utilisait le VAST, peu importe. Le mode de visée automatique, tu voyais, tu visais les jambes des ennemis qui attaquaient vers toi quand il y avait un gros groupe d'ennemis, puis justement les ennemis qui se retrouvaient, mettons, avec la jambe pétée quand ton vase marchait bien, que tu avais un critical hit, puis que ton ennemi tombait à terre, le chien sautait à la gorge pour le finir. Ben, ça l'évitait d'avancer vers toi. Fait que l'interaction avec le chien était quand même bien fait. Là, je trouvais que ça faisait pas comment ça va marcher d'un fait, mais que tu joues réellement. Ouais. Mais dans le démo qu'ils ont montré, c'est probablement pas non plus le seul compagnon que tu vas pouvoir avoir. Là, on présente toujours le chien, tout ça, parce que bon, c'est un peu, dans le fond, la marque de commerce de Fallout, mais on sait très bien que dans Fallout 3, il y avait plusieurs personnages qui pouvaient te suivre. Là. Oui. Donc, tu sais, moi, j'avais un mutant, un gros mutant, je ne sais pas trop qui me suivait. Le Berserker. C'est ça qui était là. Donc, je veux dire, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres personnages qui vont pouvoir te suivre, peut-être même plusieurs en même temps, on ne sait jamais. Là. Donc, à suivre, là, à voir aussi, le super important, là, ça va être assez malade. Là. Mais c'était bien, présentation de Bethesda pour finir, j'ai trouvé ça bien. Moi, j'ai eu l'impression, là, dans Fallout 4, j'ai eu l'impression que, bon, c'est sorti, Bethesda a fait sa présentation le 15, donc le 14 au soir, donc dans le fond, le dimanche. Donc, ça a été le premier à faire sa présentation. Puis j'ai l'impression qu'en sortant Fallout 4, je me suis dit, il ne pourra rien avoir de mieux. Je sais pas, peut-être que je l'ai vu trop gros, là, mais je me suis vraiment dit, il ne peut rien avoir de mieux un jeu qu'on n'a jamais entendu parler, tu sais, pratiquement jamais. On avait des doutes qu'il était en production. Mais là, on nous annonce que depuis 2009, on nous a tenus au silence, dans le silence complètement jusqu'en 2015. Non seulement on nous l'annonce, mais on nous dit il va être là cette année, on te le sort cette année. Là. Donc, tu sais, c'est pour moi, là, c'est une réussite, puis un secret gardé qui est épouvantable. Ouais, c'est une tonne de briques qui a été lâchée. Oui, c'est vraiment une tonne de briques sur l'industrie. Puis selon moi, tu peux pas battre une annonce comme ça, là, avec la qualité de ce qu'on nous présente. Mais on avait parlé, on en parlait à la fin, mais on avait parlé justement dans nos appréhensions. Moi, je savais qu'elle allait sortir vite. T'sais, justement, oui, c'est, sûr que oui. C'est le côté Bethesda, c'est le gros jeu-là, autant les Elder Scrolls que les Fallout. Quand ils commencent à le teaser, là, c'est une question de temps, ils font un gros annonce pour ça, le jeu sort. C'est souvent. Je pense au moins 2016, c'est entre nous, on en parle tantôt, mais je pense au moins pour 2016. Ouais, ce qui fait en fait qu'ils ne créent pas d'attente démesurée, un peu comme Ubisoft peut faire. Puis après ça, graduellement, plus les E3 avancent, plus les graphiques diminuent, puis plus les fonctionnalités diminuent, puis pour finalement le sortir à une date raisonnable. C'est ça. Dans le fond, c'est. Les autres prennent le temps de le faire, ils l'annoncent, puis on le sort, puis c'est ça. On n'en parle plus. C'est une bonne technique, c'est pas pour rien qu'ils ont monté en tant que publisher les dernières années, je pense. Mais je pense que oui, le Bethesda, c'est quand même pas pire. Ben c'est fait le tour de Bethesda. Je pense que tu nous achenais avec EA, Stéphane. Dans le fond, oui, EA, dans le fond, ben, qui a fait sa présentation. En premier, dans le fond, nous parlait bien sûr de comment ne pas passer à côté, dans le fond, de Star Wars Battlefront. Donc vraiment, là, et commencer avec ça là, très très fort au niveau de Star Wars Battlefront. Présentation là, de l'enfer, vraiment, là, du gameplay en masse. Là. Dans le fond, on en a vu un peu de gameplay. Ouais, y a eu un petit démo du multiplayer là, qui durait 6 minutes sur la map de la planète de glace Hot. Oui. Qui, en fait, on commence là, dans les hangars cachés dans les grottes de glace en jouant un rebelle. Puis là, on a l'alerte qui sonne comme quoi l'Empire attaque. Là, donc, on sort. Puis graduellement, tout le long, au fil du gameplay, on change de perspective. Au début, on était avec les rebelles, après ça, on était avec l'Empire, après ça, on était avec les AT-AT, avec les AT-ST. Donc, en fait, les AT-AT, c'est les gros marcheurs à quatre pattes. Les AT-ST, c'est les petits à deux pattes.
Ensuite, on a eu les X-Wing, les TIE Fighters. Donc, tout ça, il reste pilotable, plus la possibilité aussi d'avoir différentes classes dans chacune des factions. Puis, ça culminait à la fin où on avait un combat entre Darth Vader et Luke Skywalker. Donc, comment ça va s'harmoniser, comment ça va se balancer dans le jeu, parce que si on peut jouer un Jedi gratuitement de même, tout le monde va le jouer. Ben c'est ça, donc ça. Ça va devenir juste une boucherie là, de rentrer dans les petits pions, là, de. J'imagine qu'il va y avoir un système de je sais pas, de reward qui fait qu'une fois de temps en temps. On va peut-être revoir un système de Commander comme il y avait aussi dans les Battlefield 2, 3. Oui, possiblement, oui. Et autres. Donc on pouvait nominer un Commander qui lui va devenir notre Force Wielder, qui va être soit... C'est ça, dans le fond, c'est pas un Jedi ou un Sith, là, finalement. Exact. OK, ouais, ça pourrait être pas pire. En tout cas, j'ai trouvé que ça lookait, là, que c'était vraiment complètement malade. Là. T'avais vraiment l'impression... Ah oui, ça donnait vraiment l'impression. Sur chaque bataille, là, dans le film. La première impression que j'avais, moi, c'était... Ben, c'est un Battlefield skinné en Star Wars, mais aussitôt que l'action a commencé, là, non, on est dans Star Wars. Ouais, c'est ça, c'est vraiment immersif Star Wars, là, ça... Ouais. Ça, dans le fond, pour les fans de la franchise de Star Wars, là, c'est... Je suis un fan de la franchise Star Wars, puis c'est... Non, j'ai jamais été... Battlefront, ça a jamais été mon dada. J'ai vu Preview, ça a l'air le fun, mais... Bon, en même temps, ça va être un gros choix à faire, là, parce que tous les jeux, là, c'est tout rendu des shooters multiplayer, où idéalement, il faut jouer en équipe avec nos amis, ben... C'est ça, maintenant, il faut faire un choix là, en gang, il faut faire des choix, puis on semble avoir cette alignée vers Halo tranquillement, puis qu'on verra. Il y a aussi une autre nouvelle, dans le fond, le fameux Need for Speed qui va s'appeler Need for Speed. Point. OK? Donc, pas point. Need for Speed. Donc, qui va sortir le 3 novembre de cette année, donc 3 novembre 2015. Bon, je pense qu'on essaie de revenir aux sources au niveau de Need for Speed, probablement. Je pense que ça m'a donné cet effet-là. Oui, customisation de véhicules avec. Des courses urbaines avec des effets de météo. Rien de nouveau. Donc, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 qui a été annoncé aussi. J'ai pas joué au Garden Warfare 1, le premier. Par contre, je sais que sur EA Access, il est présentement là. Peut-être l'essayer justement là, pendant la semaine de EA Access gratuite là, cette semaine. Je verrai si j'ai du temps un peu. Par contre, un shooter dans Plants vs. Zombies, je vois pas comment vraiment. Là, moi, ça m'excite pas trop. Je l'ai pas essayé. Là. Il paraît qu'il est le fun. Je connais une couple de personnes qui l'ont essayé, mais d'un autre côté, il y a tellement de bons shooters à jouer. Pourquoi jouer à ça? C'est pour jouer un plan de Bledin puis mitrailler des morceaux de Bledin. Ça peut être le fun comme shooter pour un jeune, justement, tu veux pas tes enfants. Ouais, 10 ans, tu veux pas qu'il y ait sur Call of Duty. C'est pas grand choix, t'as Splatoon que la Wii vient de sortir il y a quelques semaines, puis t'as peut-être ça là, si tu veux que tes enfants peuvent commencer à jouer à des jeux qui sont le fun en ligne, mais sans leur faire jouer à Call of Duty ou à Halo, des jeux plus violents. C'est parce que moi, je suis un gros fan de Plants vs. Zombies, là, mais tu sais, la version, je veux dire, portable, ben, toi, la version plus jeu... Le jeu stratégique, j'adore. Par contre, j'ai jamais vraiment compris pourquoi on a fait un shooter avec ça, là, mais bon, Convergence, c'est bien le fun, là, donc c'est ça. Donc, un autre, une annonce, bien sûr, de EA, comment passer à côté de, probablement, là, ma série de jeux préférés de l'univers. J'en ai plein, là, donc, une de mes séries de jeux préférés, d'abord, Mass Effect. Donc, Mass Effect, on connaît maintenant le nouveau nom du Mass Effect qui s'appellera, dans le fond, le Andromeda. Andromeda, je m'excuse. Encore une fois, je suis pas seté, je suis trop excité. Donc, Andromeda, donc le fameux Mass Effect 4 qu'on appelait toujours avant. Donc, Andromeda qui va sortir en Noël, à Noël 2016, donc Noël de l'année prochaine. On l'attend avec impatience. Ouais, un petit teaser rapide de sortie. On risque d'avoir un univers explorable encore plus grand que ce qu'on a eu historiquement. Mais ça va un peu avec la mood, hein. Dans le fond, tout est le mood. Bigger is better. Jeu, là, c'est gros, on a du temps à mettre dessus puis tout ça. Par contre, j'aurais jamais. Je veux dire, je vais jouer. Il m'offre un jeu de 4000 heures puis je vais le faire, là. Il n'y a pas de trouble. Ben oui, ils me disent de tout vendre mes autres jeux puis juste d'acheter ça. Effectivement, là, c'est un peu. Donc, ça m'a fait. Je pourrais racheter une nouvelle console de Nintendo. Ça me dérangerait pas pantoute. Donc, c'est sûr à 100% qu'on le laissait là, quand ça va sortir. Bon, juste le fait d'avoir le nom puis d'avoir vu le petit teaser, c'est quand même relativement bien. Ça m'a excité de voir le N7 sur l'armure. Donc, en espérant. Là, donc, on nous annonce un nouveau protagoniste. Donc, on essaie de. Je suis bien excité à voir. Donc, des nouvelles viendront éventuellement. Mirror Edge Catalyst
qui va sortir le 23 février 2016, donc 23 février prochain, qui a été annoncé aussi dans la conférence de EA. Oui, puis un petit point intéressant, là, le grand méchant de ce jeu-là pourrait être le frère jumeau du CEO d'Electronic Arts qui aurait été séparé à naissance. Effectivement, donc il se ressemble vraiment beaucoup. Là. On parie quelqu'un qui aime peut-être pas tant que ça son boss, mais bon, ça se peut, ça se peut. Ou c'était un honneur. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus l'honneur parce que ce gars-là pourrait le sacrer dehors, celui. Non, mais ultimement, il ressemble vraiment, puis c'est une bonne joke. Là. J'ai trouvé que c'était quand même bien. Ouais, donc, effectivement. Donc, bien sûr, EA, quand on parle de EA, on parle bien sûr de sport. Donc, le hockey, on a parlé du hockey, on a parlé du Madden principalement. Donc, le Madden, le jeu de football que vous connaissez déjà. Le basket aussi, je pense. Le basket aussi, qui a été couvert aussi. Le soccer aussi, donc tous ces jeux-là. C'est sûr que principalement, nous, ce qui nous intéresse, en tout cas, je parle de Mathieu et de moi, là, et moins Jeff, là, mais c'est le Madden. Ah, okay. C'est ça. Donc, le Madden qui va sortir, bien sûr, là, à la fin du mois d'août, le 25, si je ne m'abuse. Dans ce point-là. C'est ça. Donc, il y a peu de chance qu'il y ait accès, on va l'avoir un peu avant. J'ai hâte de l'essayer. Donc, Madden, c'est sûr que là, bon, tu sais, en tout cas. Il pourrait me sortir. Oui, il devrait me sortir tout de suite. T'sais, même si c'est deux équipes qui. Ça comblerait le vide de football. J'ai un vide de la NFL profond, c'est un site. Là, je sens un vide énorme. Je lâcherais le Witcher, même si c'est un jeu exceptionnel pour pouvoir jouer du Madden. Mais bon, j'ai vraiment hâte. En tout cas, on fera des Twitch, on en parlera à ce moment-là, ça c'est garanti. Autre annonce aussi de EA, on a The Old Republic, dans le fond, le jeu là, qui est seulement sur PC, le jeu de Star Wars seulement sur PC, qui il y a un DLC d'annoncé, un gros DLC d'annoncé qui s'appelle Knight of the Fallen. Le trailer là, avec le trailer 8 est écœurant. Est-ce que le gameplay va être à la hauteur? J'imagine que oui, c'est quand même, ils ont des biens. C'est un gameplay connu, là, c'est un jeu qui existe déjà, donc c'est un nouveau contenu, des nouveaux environnements, des nouveaux challenges. C'est ça, puis dans le fond, ça vaut peut-être la peine, c'est quand The Old Republic est gratuit, vous avez un PC, vous voulez vous mettre sur un jeu, ça vaut peut-être la peine justement d'aller chercher le DLC pour pas trop cher, considérant que le jeu est gratuit, là, ça c'est bon aussi. Là. Exact. Donc, bonne nouvelle. Dernière nouvelle pour EA, on a Unrival, qui est un puzzle platformer où le joueur joue une balle de laine. C'est pas le meilleur coup de vie. Non, mais je pense que ça peut être intéressant. Ça dépend comment c'est développé. Donc, je vous répète, en fait, je pense Unrival, une balle de laine. Mais je pense que c'est quand même l'annonce la plus audacieuse d'Electronic Arts, sachant qu'habituellement, ils jouent dans les valeurs sûres. Ça, c'est plus le genre de jeu qu'on aurait pu voir là, à la conférence de Sony, là, un peu dans la même lignée que les Little Big Planet. Mais c'est ce que je pensais, moi, c'est ça. Dans le fond, ça me fait vraiment penser à ça. Donc, pour une fois, il prend un risque. Peut-être pas le jeu qu'on voulait, mais au moins, il prenait un risque. Je dis pas que le jeu est pas bon, il est peut-être super bon. Des fois, des petits jeux nono comme ça, et on sort des perles. Tu sais, Plants vs. Zombies, la première fois que j'ai vu ça, je me disais, hey, as-tu vu la What mise? The fuck? Ouais, what the fuck, là. Tu sais, Pagan, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait, what the fuck, tu sais. Et finalement, c'est des jeux, je peux passer des heures et des heures à rire, mais il reste que de vendre une plotte de laine en plein E3, c'est quand même audacieux. Ouais. Effectivement, c'est très audacieux. Par contre, tu sais, je veux dire, ça peut être un super jeu, ça peut être une super franchise. Donc, je vous le répète. Moi, mais en même temps, le Unravel, une pelote de laine. Mais le boss de EA a quelque part signé pour qu'on aille sa face dans Mirror's Edge, puis qu'on ait un jeu de balle de laine. Ouais, mais il a peut-être fait un AVC. Non, mais il ne sait pas encore. Un AVC à retardement. Ça se pourrait. Donc, ça fait le tour pour EA, et bien sûr, c'est pelotes de laine. On va passer tout de suite à Square Enix. Donc, Square Enix qui, elle aussi, cette compagnie-là aussi a fait sa présentation. Donc, Square nous annonce, dans le fond, en premier, bien sûr, son gros jeu, son énorme jeu, Just Cause 3. Donc, ce qui est malade au niveau de Just Cause 3, puis ce qu'on réalise pas, c'est qu'on nous annonce un jeu de 400 000 carrés. Donc, la map... 20 000 par 20 000. Aurait 400 000 carrés. Je ne sais pas si vous réalisez, là, mais j'ai jamais... Tantôt, Jeff et moi, on l'a regardé, le preview un peu au début. Et puis, on l'a fait jouer genre 4 fois juste pour être certain. On a-tu bien entendu? Et c'est vraiment 400 000 carrés. Donc, ça m'impressionne. La série, par contre, je n'y ai jamais joué. En tout cas, je l'ai joué juste un peu là, quand c'était gratuit sur le live. Là. Mais je sais pas, là, dans le fond, si ça va être... En fait, la grosse innovation, c'est l'univers plus destructible encore. Puis,
des nouvelles options à faire avec le fameux grappin. Là. Ouais, qui est vraiment, dans le fond, le c'est la mécanique centrale du jeu, ça, puis le saut en parachute. Là. Entre autres, si on voyait dans Just Cause 2, du monde qui attrapait des 747 qui volaient dans le ciel, puis ils attachaient après un lampadaire, puis le 747 tournait autour du lampadaire indéfiniment. Là. OK, OK. Donc ça, c'est le genre de niaiserie qu'on peut faire dans le jeu. Ouais, c'est ça, c'est entre autres, dans le démo, ils montraient, là, t'as une tête de propane, t'accroches ton harpon dans un bout, t'as commencé à tirer dessus pour qu'elle se mette à cracher du feu. T'attaches l'autre bout du harpon après un gars, quand la bombe de propane part en orbite, le gars suit la bombe. OK, donc c'est vraiment des méthodes de combat bizarroïdes de même. Mais tu sais, oui, même si c'est prometteur, je suis vraiment pas un fan de ce type de jeu-là. Le jeu que j'ai hâte de voir dans ce type-là, c'est mec que Microsoft nous présente de quoi, de Crackdown avec le cloud, justement, après, dans d'environnement totalement interactif que j'ai hâte de voir que ça va donner. J'ai l'impression que présentement, ça tourne pas mal tout le temps en rond à cause des vitesses de calcul. Là, peut-être justement avec le cloud, à un moment donné, on va réussir à avoir de quoi plus qui va m'intéresser personnellement. Présentement, je l'ai regardé, c'est cool, ça flash, mais bon. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est, il y a un type de gamer qui va bien aimer ça. Un peu les niaiseries que tu peux faire avec le jeu, puis c'est quand même un jeu qui se tient quand même relativement bien. Avec une histoire aussi. C'est ça. Puis avec cette grandeur-là, l'espèce d'île énorme. Là, ça s'apparente peut-être un peu à Far Cry, mais avec l'exagération. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça me donne en third person. C'est ça, dans le fond, ça fait la place d'être en first, en third. Non, c'est bon, dans le fond, très bien. Il y a aussi Square Enix, comment on peut passer à côté de Tomb Raider, donc le nouveau Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Moi, c'est Rise of the Tomb Raider. Dans le fond, va être un super jeu, là, déjà. Donc, on nous a présenté du graphique, c'est complètement malade. Un rival, là, complet à Uncharted. Il y a même des gens qui nous disaient justement. C'est là, comme la version plus mature, puis la version, là, en fait, un peu comme ce à quoi elle pourrait aspirer Uncharted. Là, éventuellement, c'est ça. Et j'ai aimé le côté, mais si on avait déjà parlé, le côté qui délaisse peut-être un peu le shooter, parce que je pense que la plage shooter est quand même bien remplie par d'autres concurrents pour y aller vraiment plus aventure, puis survival, puis un peu platformer, tu sais, sauter des glaciers, courir des avalanches, déplacer des. Tu sais, cette espèce de résoudre des puzzles dans des tombes. Tu finis une séquence du jeu, puis il y en avait quelques-uns dans l'autre version qu'il y avait eu dans la dernière génération, le remake, dans le fond, que tu finissais, puis que tu faisais vraiment. T'avais les pommes en soir aussi. Ouais, puis quand tu ratais ta shot, t'avais toujours une scène épouvantable d'horreur. Là où tu te faisais trucider. Fait que, tu sais, il y avait que clichés comme ça qui étaient bien, mais le jeu restait un shooter un peu fondamental dans la base. Un third-person shooter, dans le fond. Là, j'ai l'impression qu'ils s'en vont plus vers ce bout-là. Puis moi, personnellement, il y en a peut-être que c'est moi l'ordre d'Adam, mais moi, personnellement, je trouve que c'est bien, ce côté-là. Ben, tout ce qui nous a été présenté, là, ça peut, oui, encore du shooter, on le voit très bien. Mm. Par contre, ça semble prendre une deuxième place. T'sais, c'est plus la survie, la première place. Les puzzles, c'est ça Tomb Raider à la base, là, dans le fond. Fait que je pense que si on va vers là, ça va faire exactement un jeu plus mature, un peu plus un peu moins shooter, donc moins dadan. Plus réfléchi un peu aussi. Ouais, j'ai plus de chance de faire une attaque, même si je fais une attaque, il y a du monde qui va être triste, mais moi personnellement, si je survis à l'attaque et au jeu, je vais être content. Ça fait longtemps qu'un jeu me fait amener cette petite quelque chose-là. C'est pour ça aussi qu'on joue là, pour avoir des émotions. Mais là, c'est ça, le jeu de l'émotion. Là. C'est ça. Donc Tomb Raider, en tout cas, ça risque de promettre. Square Enix, dans sa présentation, nous présente aussi le Kingdom of Hearts. Hearts. Je m'excuse pour la présentation, donc je répète. Le Royaume des Cœurs. Le Royaume des Cœurs. Donc, Kingdom of Hearts. Je m'excuse encore pour la prononciation. 3. Donc, un petit jeu de Disney, là, bien sûr, qu'on connaît très bien. Donc, RPG, exploration dans... Qui a déjà, je pense, son crowd, qui a déjà, dans le fond, des gens qui sont pleinement intéressés. Il y a des fans de la première heure qui ont joué aux premières versions, là... qui est sorti il y a quasiment un peu plus que 10 ans. C'était pas PlayStation, au PlayStation original, ça, à l'époque? Je pense que ça a sorti à aussi sur GameCube. GameCube, tu m'en poses une bonne, mais le premier sur PlayStation original. J'ai souvenir d'avoir vu mon frère jouer. Puis De mémoire, oui, effectivement. Par contre, là, le troisième, donc, qui va sortir éventuellement. Ouais, puis on va peut-être voir des petites apparitions de Star Wars ou de Marvel aussi. Ben oui, bien sûr, parce qu'on sait très bien que maintenant Disney own la moitié de ce qu'on aime. Donc, on pourra, bien sûr, il va y avoir de la convergence, c'est garanti. Une autre nouvelle que Square Enix nous a fait, c'est le fameux jeu Deus Ex. Donc, et non Deus Ex, qui, dans le fond, Mankind Divided, qui, bien sûr, donc, on nous annonce là, le jeu pour début 2016.
J'ai rien à dire à part que si tu prends le, ton lapsus du début puis Mankind Divided, ça pourrait fitter aussi. Juste non, on va y aller de même. Donc, Deus Ex. Deus Ex. Deus Ex. Ouais, donc en fait, on joue encore le même personnage. Vous voyez, la pause, là. Deus Ex. Deus Ex. Oui, vas-y, 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 Ouais, donc en fait, on joue encore le même personnage que dans le précédent qu'on avait re-eu là, sur la console précédente, là, mm-hmm. en fait, sur 360 et PS3, qu'il y a eu des petits upgrades là, dans ses implants cybernétiques, puis... On continue là, dans le même univers. Puis apparemment, cette version-là pourrait être faite entièrement aussi, par exemple, stealth, si on voulait. Là. Ce qui n'était pas le cas de l'autre. Là, quand on arrivait au boss, on se rendait très compte très rapidement que ça prenait d'autres choses que du stealth. Là. Oui. Parce qu'on avait beaucoup de lacunes là, au niveau du combat après. On a regretté de ne pas avoir augmenté les skills de combat. Bon, c'est pas une série qui m'intéresse, là, mais quand même, pour ceux que ça intéresse, donc ça sort début 2016. Effectivement, les graphiques, bon, aujourd'hui, hein, ça fait partie de ça va peut-être permettre de patienter pour ceux qui attendent Cyberpunk 2072. Oui, 72, 77, je sais pas trop, en tout cas, peu importe. Donc, oui, effectivement. Donc, bien sûr, Hitman, qui a été teasé. Donc, un tease seulement de Hitman, qui a l'air vraiment bien fait, qui nous a été présenté par Square. Donc, on n'en sait pas plus. Le jeu s'appelle Hitman. Encore une fois, on vient aux sources. Hitman. Ouais, il se vient aux sources. Il se passe après Absolution. Dans ce que j'ai... Dans la storyline. Dans ce que j'ai entendu dans la storyline. Mais il s'appelle Hitman. Hitman. Bon, ouais. ça va être un beau petit jeu, là. Puzzle Assassination, Third Person. J'avais adoré l'Absolution sans farce. Moi aussi, dans le fond, on avait joué un peu ensemble. Ce qui disait là, dans la présentation, c'est que plus on allait bien réussir nos missions au début, plus on allait débarrer de skills puis de gear pour faire nos prochaines missions de façon plus variée encore. Aussi. OK, donc dans le fond, ça vaut la peine de vraiment prendre son temps pour bien faire les missions au début surtout. Là. Exact. OK. Donc, en tout cas, en espérant que ça aille dans le fond. Mais j'espère qu'on a un plus gros succès que le premier. Moi, une chose que j'avais aimé le premier remake, l'Absolution, c'est que c'est un jeu, vu qu'il n'y avait pas eu un gros succès, avait baissé énormément vite. Fait quand je me l'ai ramassé à 30$, je trouvais que pour 30$, le jeu était totalement génial. Ah, ben c'est ça. Il y a même été gratuit sur Games with Gold. C'est ça. Fait que c'est... Mais pour la compagnie, j'imagine que c'est pas le but premier. Non, mais bon, pour moi, personnellement, j'avais trouvé que c'était génial. Ça me rappelait des souvenirs de jeunesse aussi, des vieux Hitman qu'on avait dans le temps du Xbox. Qui était vraiment bien fait, je me rappelle, au niveau du contrôle, au niveau graphique, puis au niveau aussi, dans le fond, de pouvoir se relancer là, dans les missions qu'on faisait. Donc, dans le fond, tu fais une mission d'une façon X, tu crées toi-même la mission, tu as fait de façon X, tu l'envoies à tes chums de gars, puis lui, il avait défi de refaire justement la mission, mais de la même façon que toi. Donc, ce qui était quand même bien. J'espère qu'on va reprendre cette dimension-là qui était pour moi là, un avancement. Il a poussé un peu plus, ça pourrait être très intéressant. Ça pourrait être bien, c'est ça. Donc, il y a aussi, bien sûr, pour finir, le Square Enix nous annonçait, bien sûr, le remake de Final Fantasy VII. Donc, bien sûr, Final Fantasy, une franchise avec laquelle on peut pas, dans le fond, on peut pas passer à côté là, au niveau du jeu vidéo. Final Fantasy VII, donc je pense que ça faisait quoi, 10 ans que les gens attendaient un remake de ce jeu culte-là. Oui, tu as sorti sur PlayStation. Effectivement, donc dans le fond, ça fait longtemps. Les codes qu'ils montraient, c'était quand même relativement bien fait. Là, c'était vraiment retravaillé. Là. Oui, puis c'est paradoxal parce que oui, on en parle plus ou moins là, parce que c'était pas justement les gros sujets qui ont tenu, mais en même temps, ils parlaient justement d'un autre Final Fantasy qui était attendu sur toutes les autres consoles et PC et plus leur exclusif... PlayStation 4, qu'on a parlé justement dans l'autre podcast, qui ont annoncé. Puis le gros qui a retenu l'attention chez Square Enix, c'est le remake du 7e. C'est ça, effectivement, et non le nouveau. Là, dans et le non le nouveau annonce. Ou l'autre exclusif au PlayStation. C'est, ça. Avec, donc, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est bien. Là, donc ça veut dire que ça parle de l'impact que ce jeu-là a eu. Non, c'est ça. Mais même si je suis pas pour les remakes, il faut croire que cela, il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Oui, effectivement, très clairement, là, c'est ça. Donc ça finit pour Square Enix. On va parler maintenant d'Ubisoft. C'est Jeff qui nous en parle. Oui, donc en fait, Ubisoft a annoncé, là, en fait, on fait un follow-up sur un paquet de leurs jeux qui étaient déjà annoncés. Et on a eu quelques nouveautés, là, dont entre autres South Park, The Fractured But Whole, qui est en fait la suite de Stick of Truth, qui était sorti sur la génération précédente. Donc ça reprend où celui-là a laissé, puis ça continue l'histoire. OK, donc c'est super, ça, c'est complètement malade. Pour eux qui sont restés quand même bas du corps. Effectivement, c'est toujours de l'humour hein, comme ça, cacapouelle un peu. Par contre, je vous le dis, là, c'est un chef-d'œuvre ce jeu-là, un véritable chef-d'œuvre. Donc, c'est sûr que j'achète des scènes... Mais
immorable. Ah, complètement, oui. Complètement là, à censurer. À grandeur. C'est un jeu que tu pourrais censurer du début à la fin. Ouais, mais c'est un classique de, ouais, de Matt Starr et Trey Parker. Effectivement, c'est donc, ça. Ils sont allés chercher vraiment les scénaristes du South Park. Oui, vraiment, pour le faire. Scénariser l'histoire. Effectivement. C'est le genre de jeu que je vais, tu sais, que j'aurais plus de fun. C'est quand même bien, quand même. C'est quand même impressionnant. À écouter sur YouTube, mettons, le jeu en cutscene de. Tu sais, ils vous redonnent juste les cutscenes de 1 heure. Plutôt que d'y jouer, les cutscenes que j'ai vues. Moi, non, non, mais je veux dire, je suis un moins gros fan du saut partout, mais les cutscenes sont tellement drôles. Ou même à la limite, prendre une bière avec ton chum qui joue à côté, puis jaser, puis rire. Ben, non, c'est sûr. Il y a un chum de gars, justement, là, qui était ici pendant que je faisais le jeu, là, puis il m'a regardé jouer tout le long, là. Puis il riait. C'est comme un épisode de South Park, c'est vraiment fait pareil, donc c'est vraiment bien. C'est sûr, je l'achète. Donc, on a aussi une annonce là, pour l'avancement de Division. Ouais. Donc, on a une date de sortie, le 8 mars 2016. On va avoir un bêta pour la Xbox pendant la période des fêtes. Super. Qui va être exclusif à la Xbox. Et, bêta seulement, bien sûr. Exact. Okay. Et ensuite, on a eu un gameplay là, de ce qu'appelait les Dark Zones, qui sont en fait des zones PVP multijoueurs où tu peux rencontrer n'importe qui. Donc, si toi, t'es avec ta gang de 2 ou 3 chums qui décident d'aller faire une Dark Zone, ça se peut que tu tombes sur une autre équipe de 3-4 autres joueurs. Puis, vous pouvez vous tirer dessus, vous pouvez vous aider. Puis, en fait, ce que vous allez retirer à la fin de cette Dark Zone-là va dépendre aussi en fonction. Mais qui d'ailleurs, dans le preview qui montrait, finalement, il y en a juste un qui sortait vivant de là. Exact. Il rentrait, il rencontrait des ennemis qui étaient des NPC. Puis là, il rencontrait aussi une autre gang de joueurs, ils étaient 2, eux autres. Puis là, il arrivait, finalement, ils passaient à travers les NPC ensemble. Puis, pile poil rendu à la zone d'extraction à la fin où ils ont 90 secondes à attendre. Il y en a un qui pète sa coche. Ben, la gang de 3 ont tiré la gang de 2. Okay. Puis, il y en a un autre qui a décidé de tirer ses 2 autres. Donc, super. Non, ça risque de ressembler beaucoup à l'expérience qu'on avait avec GTA Online quand tu joues en mode free roam. Ouais. N'importe qui te court après puis il fait juste venir te tuer ou vous faire exploser ton char. Ben, ça risque d'être un peu le même principe. Le même feeling un peu. Ça risque d'être peut-être moins intéressant comme pour ceux qui aiment moins le PVP, mais pour ceux qui sont fans là, de. Ah, c'est un jeu que j'ai bien hâte de. J'étais encore mitigé, je la jette du faux, mais avec le bêta, probablement que ça va me le vendre. Là. Moi, je l'ai précommandé, je vais vous faire. Mon Dieu, quelle surprise. Donc, je l'ai précommandé. Jeff, toi, tu l'as-tu. Non, je l'ai pas précommandé. Non, je t'invite fortement à le faire parce que je veux pas jouer tout seul. Je vais attendre les critiques qui vont sortir probablement. Si Ubisoft ont appris de leurs erreurs avec Assassin's Creed Unity. Ouais. L'embargo va être levé avant la sortie du jeu. Pour possiblement. Mais si on n'a pas appris, ben, ça va aller dans la semaine après. Oui, c'est ça. OK, bon, c'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est juste une pour la semaine de relâche, ben, ça va être un bon. Comme je te dis, ouais, Stéphane, avec le bêta, si ça me convainc, je vais le précommander rendu au bêta, mais je vais attendre le bêta avant de faire la même erreur que toi. Donc, je te mettrai de la pression en malade mentale. C'est bon. On a une nouvelle IP qui a été annoncée aussi par Ubisoft, qui est Honor, qui est en fait un jeu de combat, là, mais brutal, vraiment, là. Épique, un peu comme on pourrait s'attendre à voir comme dans les grosses mêlées de Lord of the Rings ou de Braveheart. Okay. Puis ça promet aussi d'être un combat multi-époque en fait, parce qu'on va avoir des combats de vikings, combats de samouraïs, combats de chevaliers en armure. Donc, toujours en first person? Non, c'est third person. C'est third person. Okay. Donc ça mais en même temps, c'est je pense que c'est une bataille, ça va être 12 contre 12. Ce que j'ai vu de mémoire, c'est 12 contre 12. 12 contre 12. Avec des graphiques complètement hallucinants. Ouais, ça rappelle peut-être même peut-être une coche au-dessus des graphiques de Rise. Mais j'ai adoré aussi le côté tactique des combats aussi, que pendant que ta caméra est en close combat avec un autre, ton stick de. Dans le fond, qui est normalement ton stick de caméra, ton stick de R en réalité, le droit, au lieu de servir à regarder autour de toi, sert à savoir aussi que tu mets ton épée. Pour parier les coups. Mais tu as comme 3 positions, tu as soit gauche, droite, haut pour parier les coups que tu as. Puis en même temps, ça dit à partir, mettons, si ta position est en haut, j'imagine que c'est la gâchette droite qui fait que tu frappes. Ouais. Décide comment ton coup part. Fait qu'avec ça, tu te retrouves face à face avec un autre ennemi, puis il y a un côté un peu escrime de la chose là, pendant les matchs. Ouais, faut ça a l'air, coup de l'autre, ça a l'air à faire des matchmaking là, exceptionnels que t'es vraiment contre un autre joueur dans. Donc en fait, c'est toute cette mécanique-là, si est bien maîtrisée par les développeurs du jeu, ça va faire un jeu hallucinant dans le jeu où la communauté suit. Oui. Parce que ça risque d'être un jeu qui va jouer beaucoup en multijoueur, peut-être un petit peu d'histoire. Peut-être. Ben, peut-être genre une mise en contexte des types de combattants, ouais, c'est ça, les vikings, c'est quoi, puis après ça, les samouraïs, c'était quoi comment. Présentement, ils montraient juste des maps multijoueurs.
ce que j'ai vu, là. Oui, présentement, ouais, tout ce que j'ai vu aussi, c'était ça. Donc, mais en tout cas, ça a l'air de promettre. Là, ouais, c'est peut-être un futur Titanfall, qui sait. Le côté next-gen, le côté le fun est là. Fait que s'il faut que le contrôle soit là puis que le monde embarque, je pense que ça peut être un projet intéressant. Effectivement. C'est vrai que ça va être plus un Titanfall qu'un Evolve. Oui, c'est sûr. Non, effectivement, que ça, au moins que ça pogne un peu. Là. Ça pogne un peu. Ensuite, on a eu Rainbow Six. Donc, le Rainbow Six Siege qui va sortir courant de l'année 2016. Oui. Non, c'est-tu cet automne? Je sais pas si c'est l'automne de À la fin de l'été, on est supposé avoir un démon bêta. Mais ça, moi j'étais sur l'impression que ça sortait pour Noël, mais à confirmer. Je pense que oui, je pense que tu as raison. À confirmer. Il y a tellement de dates qui sont sorties récemment qu'on fait un peu le portier. Donc en fait, on a eu droit au démo du Terror Hunt, qui est un mode coop. Donc on peut jouer avec nos amis pour rentrer dans un édifice puis aller désamorcer une bombe, puis l'édifice est contrôlé par des terroristes. Donc ça prend beaucoup de coordination, de reconnaissance, de. Puis une fois qu'on est mort, ben on est mort. C'est ça. Donc, il n'y a pas de respawn, là. Non, donc c'est final, c'est réglé. Donc ça va peut-être apaiser là, ceux qui avaient des craintes versus parce que ce qui avait été présenté initialement, c'était que du multijoueur. Donc là, avec un mode peut-être. C'est un mode un peu hors en réalité, là. Exact. Un peu comme on avait aussi dans les Rainbow Six Vegas où tu rentrais puis tu avais un édifice de 30 terroristes à faire le ménage. Mm-hmm. Donc. Moi, ça risque de promettre pour ceux qui aiment le genre de jeu, bien sûr. Puis il suffit d'avoir surtout des amis avec qui jouer. C'est surtout ça qui va être difficile avec ce jeu-là parce que c'est absolument un jeu de coop, même en jouant versus. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'informations qui circulent. Assurément, si tu tombes sur une équipe qui se coordonne un peu, t'es fait, t'es mort. Mais j'adorais les vieux Rainbow Six, pas les derniers qui avaient sorti la dernière génération, les Vegas, mais les vieux Rainbow Six, Rainbow Six 3 et les itérations qu'ils avaient faites au Xbox original, c'était des jeux que j'avais adoré à l'époque. Là. Effectivement. Puis ils avaient annoncé aussi qu'avec ce Rainbow Six-là, il y aurait les deux Rainbow Six Vegas et Vegas 2. C'est ça. Donc, quand tu l'achètes, tu as les deux autres jeux avec. Ça, c'est pas exclusif Xbox. Je pense que oui, c'est par exemple, ça peut être exclusif Xbox. Oui, exclusif Xbox seulement, par contre. Oui. Ensuite, on a Trackmania, qui est un petit jeu de course là, rapide là, sur des maps qui défient un peu les lois de la physique, avec des véhicules qui défient les lois de la physique. Mais donc, c'est un petit jeu de course sympathique qui est supposé devenir initialement avec un 200 tracks officiels qui viennent avec le jeu et un générateur de map automatique qui peut te créer on the fly en 5 minutes une nouvelle course. C'est ça, donc dans le fond tu peux pas t'écœurer si t'aimes le jeu, tu peux te faire des maps à l'infini de façon complètement aléatoire. Là. Exact. Ce qui est complètement malade. Puis dans le démo justement il présentait, là, il appuyait sur un bouton, puis en moins de 5 minutes, là, je veux dire en une minute peut-être, possible, la map était complètement faite. Puis là, tu partais, puis tu allais jouer avec ton chum de gars en race. Ça flash là, maintenant. C'est hot. S'ils sortent à 70$, c'est sûr qu'on va passer à côté, mais à 20$. Bon, moi, à 15-20$, c'est sûr que c'est un jeu que j'achète, là, garanti. Là. Ça serait bien trop drôle à faire. Mm-hmm. Ensuite, on a eu une annonce d'un jeu qui n'était pas attendu, mais qui est en fait très bienvenu. C'est Ghost Recon Wildlands. Oui. Donc, c'est un jeu qui est, en différence du dernier qui était sorti, qui était Future Soldier. Celui-là se passe dans le présent et on attaque les cartels de drogue là, à la grandeur du monde. Donc la mission qu'il nous montrait initialement, c'était en Amérique du Sud. Et il montrait trois approches différentes, là, le stealth, une embuscade ou un full frontal assault. Dans les trois cas, il arrivait là, à un résultat similaire pour en fait compléter la mission. Puis c'est intéressant parce qu'on voyait aussi de jour, de nuit, avec de la pluie. Ce qui va affecter toute la mission complète, dans le fond, la façon qu'ils te voient et qu'ils te voient pas. Exact. Puis après ça, il y avait aussi les véhicules, la possibilité de choisir comment on va être inséré, comment on va s'extraire de la mission. Donc, ça peut être une insertion par parachute, en motocross ou en camion. Ou même, on voyait justement une des fins de mission, ils partaient, ils embarquaient le méchant dans le coffre de la Cadillac, puis ils s'en allaient avec la Cadillac. Trop malade. C'est bon. Bon, fait que après Ubisoft, peut-être le seul jeu qui nous restait à couvrir, c'était Metal Gear Solid. À date, tous les gens qui ont eu le temps de l'essayer, j'espère qu'ils vont nous montrer plus, là, mais qu'ils fassent les bouts et qu'ils aient sur le plancher, le gameplay, ce que ça a l'air, disent que c'est assez impressionnant. Hein? Ben, ce que j'ai pu entendre, on n'en a pas vu encore au E3, en tout cas de présentation. Ben, pour ma part, j'en ai pas vu un trailer de 5 minutes qui n'en dit pas grand-chose, puis
C'est un jeu qui sort à la fin de l'été, là, donc... C'est ça, en espérant qu'au E3, là, on nous présente quelque chose dans les prochains jours, le présent gameplay, même beaucoup de gameplay. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un bout, tu sais, qui est jouable à quelque part sur le plancher. C'est sûr que Konami n'est plus le publisher que ça a déjà été, fait qu'il n'y a plus de presse média comme c'était à l'époque, comme Capcom non plus, et plus un gros joueur de même. Mais j'ai l'impression que les jeux vont être jouables sur le plancher, peu importe le... Mais ben... sachant qu'on est proche comme ça de la sortie, si on n'a pas un 20 minutes de gameplay, hein, je pense qu'ils vont se tirer une balle dans le pied. Hein. Mais en tout cas, pour ceux qui ont joué, dans le fond, pour les différents médias qui ont pu avoir le jeu, puis qui ont joué, puis qui nous en parlent là, depuis peut-être une couple de jours, ils disent que c'est un jeu complètement génial, là, complètement... Ben, j'ai entendu The Witcher et les guns. Ben, c'est carrément ça. Donc, ça s'apparente justement à The Witcher, peut-être, mais dans un autre monde avec des fusils, puis tout ça. Mais dans le fond, est-ce qu'on va en entendre parler au E3? On ne sait pas encore. Présentement, là... On est le mardi soir. Dans le fond, on enregistre le mardi soir. Sony, on est le 16. Quoi de vite pendant la présentation. Donc, on est au début du E3 encore. On est au milieu du E3, là, le 16. Là. Dans le fond, on est mardi soir. Est-ce que demain, mercredi ou jeudi, on va en entendre parler pour le reste de la semaine? On ne sait pas. Bien sûr, on fait un autre podcast, la semaine prochaine. Donc, on sera peut-être en plus en mesure de vous en parler. Mais oui, effectivement, j'ai été surpris de ne pas le voir dans une présentation ou un autre. Ben, il était, comme je vous dis, il faisait partie d'un wrap-up dans Sony. Là, c'est que je pense qu'il y a eu 2 minutes de petit teaser. Là, vite, mais trop vite. Même à Sam, c'est Sony, là, de mémoire. J'ai pas souvenir de l'avoir. Je sais pas, moi j'ai juste vu sur YouTube. Je me souviens même pas si c'était relié. Probablement que c'était relié à une conférence, sachant que Sony a été longtemps là, exclusif comme titre. Là. Moi j'ai écouté les deux conférences, pas en direct, mais en screen direct de Microsoft puis de Sony. C'est les deux seuls. Sinon, j'ai fait comme on a tout fait là, par bloc, par les nouvelles qui sortaient. Là. Puis je l'ai vu passer dans une des deux. Je pourrais pas le dire c'est lequel. Okay. Me semble c'est Sony de mémoire. Là. Mais c'était vraiment un teaser de 2 minutes comme une bande-annonce que tu pognes sur YouTube ou que tu passes cette quoi qui était chaud. Tout ce que j'ai vu, moi, c'est sur YouTube. C'est un 5 minutes d'un trailer qui explique pas grand-chose puis qui montre pas non. Ou c'est même pas un 5 minutes, c'est même les affaires promotionnelles comme les clips télé que tu pognes, mais un peu externe avec le téléformat internet. Là, fait que c'est peut-être entre 1 minute et demie puis 2 minutes là, que c'était. Mais bref, on sait pas à quoi s'attendre, mis à part que ça va être probablement un très bon jeu dans un open world à la Witcher. Mais les gars qui l'ont essayé, parce que la presse l'ont essayé dans le pré-E3 quand que la presse arrivait, fait qu'ils ont pu commencer à en parler. On l'a pas vu beaucoup justement parce qu'ils ont pas vu encore beaucoup de coverage sur le plancher du E3 présentement. C'est surtout les conférences que les journalistes nous ont montrées. Mais quand ils en parle du jeu, sérieusement, ils disent que ça peut être un prétendant au jeu de l'année avec The Witcher. J'imagine qu'il y a quelque chose, ce jeu-là. Là. C'est ce que j'ai entendu dire aussi, en espérant que demain, dans le fond, on a encore du E3 à faire. Là, demain, le 17, après-demain, le 18, donc mercredi, jeudi, peut-être qu'on verra. Donc, on en parlera peut-être si on voit quelque chose la semaine prochaine par rapport à Metal Gear, le nouveau. Sinon, ça fait le tour de tous les gros jeux qui étaient couverts jusqu'à maintenant. Ça fait pas mal le tour. Dans le fond, pour vous autres, c'est qui le publisher qui est gagnant, là, dans le fond, dans ceux qu'on a parlé, soit Bethesda, là, EA, Square, puis Ubisoft? Ben, j'en nommerais pas nécessairement de gagnants parce qu'ils ont tous des bons titres, des gros titres qui peuvent faire le compte de chaque joueur, mais cette année, particulièrement Ubisoft, là, dans leurs annonces, moi, ils tombent dans mes cornes. Avec Ghost Recon, The Division, surtout ces deux-là. C'est sûr, moi sans surprise, je vais vous parler de Bethesda là, à cause de la surprise énorme là, de Fallout 4 là, qui est en vraiment en développement depuis 2009 qu'on n'a pas entendu parler. Puis là, bang, soudainement, on nous sort l'annonce que le jeu, non seulement il est prêt, mais qu'il va sortir en novembre tout de suite avec toutes les petites exclusivités qu'on a là, soit au niveau Xbox et autres. Là. Donc moi, je suis vendu bien raide. C'est sûr que j'ai rien d'autre à dire. C'est Bethesda, c'est même Fallout 4. Là. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc c'est pas compliqué, c'est eux autres qui mettent haut la main, là. J'ai l'impression que c'était bien vendu, les espèces d'effets de surprise qu'ils sortent aussi vite. On s'entendait tous qu'il allait avoir une nouvelle là-dessus, mais tu sais, que tout sorte aussi vite. Complètement malade. Tu sais, je m'attendais justement à de quoi peut-être plus progressif, t'sais, un peu au E3, un peu au Gamescom, puis on fait une couple de promotion, puis mettons hiver 2000, début hiver 2016, je m'attends vraiment plus à ça que là, bang, on l'a. Shot, hein. Tout est déjà fait, on en présente un gros paquet au E3 à peu près partout en pré-conférence. Un peu avant conférence, pendant Xbox, on en met partout, puis qu'en plus, ben, on se dise 10 novembre, c'est quand même impressionnant, là, je trouve, comme délai, puis c'est quand même une bonne nouvelle. Sauf par contre, j'aurais de la misère à dire entre Bethesda et Ubisoft lequel qui ont gagné, où j'ai trouvé que cette année, contrairement à bien d'autres années où c'est que c'est souvent les fabricants de consoles qui nous amènent plein la vue, cette année, ça a été vraiment un peu blusher parce que je trouve que Bethesda et Ubisoft en feraient de next-gen, de nouvelles affaires. Si ce qu'ils nous présentent peuvent marcher,
c'est vraiment intéressant. C'est vraiment joué en tant qu'on ne sait pas faire un Watch Dogs par Ubisoft. Ouais, c'est une sécurité. C'est ce qui me fait peur un peu d'Ubisoft. Ouais, c'est que j'ai fait une réserve. Prêt, faut qu'il soit prêt. Parce qu'ils ont des beaux projets. Aussi beau que ce qu'ils nous ont teasé là. Là, non, là le monde même commence à chialer que The Division n'est pas aussi beau que les premiers. C'est ça. C'est pour ça que je dis que peut-être Bethesda, en réalité, avec ce qu'ils ont montré de Doom puis Fallout, puis connaissant que généralement, ça va vite, puis plus des produits finis. En réalité, c'est peut-être eux autres qui vont gagner, mais en fait, d'auditeurs qui le regardent vite de même, j'aurais de la misère à dire laquelle entre les deux, parce que Honor et The Division, c'était quand même impressionnant. Effectivement, très clairement. Donc, ça met fin au podcast, dans le fond, la deuxième partie du podcast du E3. Donc, merci d'avoir écouté. Merci d'avoir été avec nous autres. Continuez à nous suivre, bien sûr, sur arcadequebec.com. Continuez à nous suivre, bien sûr, sur Facebook, sur Twitter, sur SoundCloud, sur DJPod.com, sur YouTube, bien sûr. Donc, le visuel sur YouTube du podcast est toujours là. Vous pouvez aussi nous suivre sur iTunes. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez downloader le MP3 ou simplement nous écouter en streaming. Donc, merci d'avoir été présent. Merci, les gars, aussi, d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine pour un autre podcast. Bien sûr, on va encore parler là, du restant du E3 et bien sûr de bien d'autres sujets. Merci encore. À la prochaine. Salut, tout le monde. Salut.